Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ça va être très particulier. En fait, ça va être une série de vidéos, donc de 3 à 4 vidéos en fonction de comment est-ce que je vais monter un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez qu'actuellement je suis dans ma voiture, je suis bien chargé. Je vais partir pour au total un mois. Pour des raisons professionnelles dans le sud de la France où je vais du coup pouvoir aller faire un road trip entre guillemets sur différents parcs et centres de protection pour reptiles que je vais pouvoir justement visiter. Donc en premier lieu, donc là je vais m'y rendre là actuellement avec cette magnifique voiture, oui oui c'est la mienne hein. Voilà, je vais m'y rendre donc à la ferme en crocodile en premier, où je vais vous faire un petit vlog, une petite visite hein, très rapide, parce que je suis sur la route, donc il va falloir j'accélère un petit peu. La deuxième, ce sera au village des Tortues de Carnoule, où j'étais allé il y a 2 ans pour le relâcher d'une tortue à carapace molle. Le troisième, ce sera la visite de la pièce d'élevage, donc de la reptile room de chez Maxime Bachalas, donc qui est un gros éleveur de colubridés. Donc, comme disait Nicolas Hussard, Tchoupi la grosse couleuvre en folie, hein. Voilà, donc qui est un gros éleveur de colubridés, mais pas du serpent des blés. Non, on n'est pas dans ce type-là, même si je respecte énormément les éleveurs de colubridés américains, du style serpent des blés, etc., panthérophis, machin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Mats, c'est pas du tout dans ce cours-là qu'il joue, c'est vraiment des couleuvres qui sont beaucoup plus rares. Voilà, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout. Donc, je vais pas pouvoir vous filmer des plans pendant la route, parce que bah, je suis tout seul, donc pour filmer, ça va être très compliqué. Hein. Voilà, je vais juste me contenter de filmer quand j'arriverai sur les lieux. Donc je vais claquer des doigts actuellement, un peu à la façon Thanos dans Avengers Endgame, pour arriver sur le parking de la ferme aux crocodiles. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Yo les gens, on se retrouve donc sur le parking de la ferme aux crocodiles de Pierrelatte. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là-bas au bout, il y a donc les serres. Normalement, vous pouvez apercevoir un bout du bâtiment. Je suis désolé, je filme avec le téléphone. La grosse caméra est derrière. Il faut que je sorte tout le matos. Donc, je viens d'arriver. On va aller visiter la ferme aux crocodiles. Donc, il y a pas mal de mesures sanitaires à prendre en compte donc, par rapport au Covid-19, etc. C'est-à-dire que là, je vais devoir porter un masque pendant toute la visite. Donc, je vais essayer de bricoler le son en post-production pour pouvoir justement que ce soit un peu plus agréable pour vous à écouter et pas de vous m'entendiez de loin ou masqué avec être le masque, tout simplement. Donc, voilà, je vais faire ce que je peux. Et puis, voilà. Donc, on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Non.